Salut tous, c'est Lenny, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve dans une fois magnifique parce que oui, tout est gratuit sur GTA 5. Aujourd'hui c'est cadeau, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, tout est gratuit et on va voir ce que ça fait quand sur GTA 5 c'est gratuit. En fait c'est GTA 5 mais tout est gratuit et je peux vous dire que je vais acheter pas mal de trucs, vous allez voir. Les gars, premier truc que je fais, hop, on ouvre le téléphone et on va aller ici. Holy shit! Gratuit, 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 gratuit. La T20, les gars, gratuit. Tout est gratuit. What is this shit? C'est quoi ce délire là? Hey, attendez, les gars. On va aller voir si l'avion il est gratuit. Allez, on va voir si l'avion est gratuit. Oh, 0$, les gars. Gratuit, gratuit, 0. Gratuit, le Luxor de luxe, le véhicule le plus cher de GTA 5 est tout simplement gratuit, c'est incroyable. Le balélico aussi d'ailleurs gratuit, on va tout prendre. Je vais tout prendre, je vous le dis, je vais tout prendre. Les gars, déjà premier truc qu'on fait quand tout est gratuit dans le jeu, on va tout simplement acheter toutes les armes. Donc là tout est à 0$. Bon, même ça les gars, c'est 0$, les matraques 0$, le laser gun 0$, les grenades 0$, le bidon d'essence à 0$, mais surtout la cale, le lance-roquette à 0$. On va tout prendre, c'est parti, let's go. Alors j'ai littéralement pris aux munitions au max. Bon, déjà bazooka, hein, plutôt pas mal. J'ai vraiment tout pris les gars. C'est incroyable, c'est vraiment le rêve. Et GTA 5 gratuit, c'est vraiment le rêve. Les gars, on est sorti actuellement du Amulation. On va aller voir chez notre poteau. Notre petit poteau. Eh, juste ici, les gars. Qu'est-ce qu'on achète ici, les gars, dans GTA 5? C'est là où on achète, eh bien, tous les véhicules. Donc, Premium Deluxe Motorsport. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, tout est à 0$. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je sais même pas laquelle prendre, tellement elles sont... Elles sont toutes belles déjà. Bon, il y en a que forcément j'ai pas prendre. Genre la Banshee, c'est pas vraiment le véhicule qu'il faut forcément prendre. Oh, on a une mini Formule 1. Pas mal. On a la Trax, qui est plutôt belle aussi. Franchement, j'hésite. Je sais pas trop quoi prendre, les gars. Vous me conseillez quoi? Je sais pas. Vous auriez pris quoi dans les commentaires, les gars? Entre toutes ces voitures, laquelle tu prends? Voilà. À 0$, tout de suite, c'est gratuit. T'as un véhicule à prendre, c'est quoi? Franchement, je pense que je vais partir sur la... Les gars, forcément, il est au bout d'un moment. On va partir sur ça, les gars. On va partir sur ça. Par contre, là, je vous ai dit quoi, les gars? Moi, je vous ai dit, tout est à 0$. Et vous savez quoi, les gars? Je me suis commandé mon petit avion gratuit sur le site. Et là, on va aller chercher l'avion. Et ensuite, on va peut-être aller chercher l'hélico aussi en or. Le yacht. Oh là là, les gars, le yacht. J'ai oublié le yacht. Le yacht, il est gratuit aussi, les gars. Le yacht est gratuit. En fait, tout est gratuit. Voilà, tout. Quand je vous dis tout, fringue, tout, coupe de cheveux, tatouage, tout ce que vous voulez, c'est free. C'est free, it's free, it's free. Alors, on va aller à l'aéroport, tranquillement. Ok, c'est parti les gars, on est actuellement à l'aéroport. Hein, forcément, je veux dire, quand tout est gratuit, tu peux te permettre de dégommer les barrières. Et je me suis commandé 3 avions, vous allez voir, je me suis commandé 3 avions. Bon, déjà, on a ce petit avion qui est plutôt sympathique, alors j'aime bien. Voilà, hop, tu gardes ta l'héro que t'as acheté gratuitement. Alors... Ce que j'aime bien dans ce véhicule, c'est en fait c'est le petit côté de jet privé, genre qui fait un peu t'es sur une île et tout, t'as ton petit avion, tranquille. Voilà. Pourquoi j'ai pris cet avion? Il est magnifique, hein. D'ailleurs au passage je kiffe ce genre de petit avion. Ah, c'est le Vélum au cas où. J'ai pris également, je veux dire, le petit planeur là. Ça c'est pas mal aussi, genre quand t'as envie de partir pareil à la mer. Hein. Le petit UML qui passe bien. Il est stylé, genre tu voles direct quoi. Mais surtout on a notre tout ça gratuit les gars, c'est abusé. Ah ouais, par contre il a du mal à tourner les gars. Je vais me poser. Bon, faut pas que j'explose quand même mon avion à 10 000$ que j'ai eu gratuitement les gars, à 10 millions de dollars que j'ai eu gratuitement. Bonsoir. Hey, on se gare tranquillement. On descend au calme. Alors l'UML c'est vraiment un véhicule. Bon, c'est pas non plus le meilleur des avions. T'as mieux, genre t'as jet par exemple t'as jet privé, celui-là. Hein, t'as quoi d'autre? Le jetpack. Le jetpack les gars, 0$ aussi. Oh là là, mais regardez-moi ça les gars. Tout ça à je l'ai eu à 0$ les gars. Incroyable. Qui te dit
que c'est possible. Mais quand c'est gratuit, tu peux te permettre de faire des accidents parce que tu l'as payé gratuitement, tu vois. Genre, ça te fait pas mal si tu le perds ou si, genre, voilà, je sais pas moi, je décide de me cracher, tu vois. Genre, là par exemple, j'aurais voulu me cracher, mais c'est pas grave, tu vois. Je me dis, c'est pas 10 millions de perdus, genre, c'est 0 dollars, quoi. Donc, si j'ai envie de me cracher, les gars, je me crache. Tu vois, d'habitude, je me crache, la salle, il me crie dessus. Là, je me crache tranquille, quoi. Gratuit dit forcément on va acheter l'hélico le plus cher, hein. Je veux dire, ça c'est vraiment basique, hein. Je veux dire, c'est logique, hein, j'ai envie de dire. Le petit hélico qui est trop trop beau. Alors l'hélico là, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé sur GTA 5, mais pour moi c'est pas l'un des meilleurs. Franchement, il y a mieux, tu vois, genre l'hélico. Mais en termes de luxe, tu vois, là tu passes de 5 millions, hein, qui font très très mal. 5 millions sur GTA, les gars, pour faire 5 millions, faut les faire. À 0 dollar, tu vois, ça fait quand même plaisir. On a bah, notre petit les gars, sous-marin. Mais attendez, j'ai vu ça gratuit, les gars. C'est abusé. Donc, si jamais t'as envie d'explorer les flots marins, t'as ton petit ouais, bah c'est stylé quoi. Mon petit sous-marin, tranquille. Je vais allumer la lumière. Est-ce qu'on a un trésor caché, les gars? Un autre, bah non, en fait, on s'en fout parce que tout est gratuit, les gars. Non, y'a rien. Y'a rien. Non, franchement, c'est stylé. J'aime bien le petit. Alors, pareil, celui-là. C'est l'un des meilleurs. Hein. Y'a l'autre, hein. Sous-marin, mais honnêtement, je pense que moi, si j'avais un choix à faire, c'était vraiment celui-ci. Hop. Et voilà comment on gare un sous-marin. Bon, j'ai tapé, mais voilà comment on gare un sous-marin. Et si jamais t'as envie de repartir dans les airs, tu repars dans les airs tranquillement. Bon, on a quand même explosé notre avion. Mais t'as vu, tu prends ton petit suiveur de luxe, hein. Au calme, et tu peux partir tranquillement. Et je suis en train d'explorer un peu les maisons que je peux acheter, vu qu'en fait techniquement, généralement, donc là les gars, je suis en train de regarder les maisons que je peux m'acheter, et franchement, bah, je veux dire, tout est gratuit. Donc si tout est gratuit, tu peux te permettre de t'acheter, genre, je sais pas, moi, par exemple, la maison. Je sais pas moi, de Epsilon par exemple, cette petite villa magnifique. Oh, pas mal celle-là. J'aime bien aussi. Il y a des belles maisons, tu vois. Genre, il y a des belles maisons. Mais il me faudrait quand même une maison, genre avec une piste d'hélico. Tu vois, ça peut être pas mal aussi. Ou pas forcément, tu vois, vu que je suis riche, je peux garer mon hélico un peu où je veux. J'ai envie de dire. Tu gares vraiment où tu veux, toi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires le premier truc que t'achètes si GTA 5 c'est gratuit. Genre, t'achètes quoi? T'achètes une villa, t'achètes, je sais pas, le... Je sais pas, moi, par exemple, un appartement, t'achètes quoi? Moi, perso, je pense que le premier truc que j'achète, c'est l'avion de luxe, tu vois. Ça, c'est vraiment le premier truc que j'achète. Là, regardez-moi, toutes ces villas, les gars, elles sont gratuites, les gars. Tout ça, c'est gratuit, c'est free. Moi, j'ai envie d'un truc un peu plus, vous voyez, un peu plus hot. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus Weekend Barrens. Genre, waouh, la maison, là, les gars, elle est incroyable, celle-là. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Même celle en dessous, elle est pas mal aussi. Hein. Genre là, tu vois, je peux me poser. Hop. Dans ma villa, tranquille, que je vais acheter. Bah oui, puisqu'elle est gratuite, les gars. Je vais m'y installer. Hein. Quitte à tuer le propriétaire, tu vois. Hop. On pose l'hélico. Ici, sur l'herbe. Et bah ouais, bah tiens. Elle est pas mal, cette maison, les gars. Vous en pensez quoi? Elle est gratuite, en plus. On se la prend, hein, j'ai envie de dire. Allez, pourquoi pas. Bon bah on va se la prendre, les gars, gratuit, on se la prend, tranquille. Bon là les gars, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, Lenny, t'as acheté un hélico, t'as acheté un sous-marin, t'as acheté une voiture de luxe, t'as tout acheté, enfin acheté, j'ai lu gratuitement quoi, vous m'avez compris. Mais t'as pas oublié un truc? T'as pas oublié un truc? Quoi? Moi j'ai oublié un truc? Mais vous êtes fous les gars, regardez-moi ça les gars, le yacht! Il y a moi, ce yacht. Le yacht gratuit les gars. Je me suis fait un petit kiff, allez, regardez, il y a tout mon petit logo bateau qui apparaît, tranquille. J'ai mon petit bateau, au calme, il est vraiment beau, vraiment stylé. On part. Je me suis permis quand même de le meubler en mode luxe, tu vois, bon, on peut rentrer ici. Mais je me suis dit pourquoi pas, le bateau, tu vois, genre le yacht, ça peut être pas mal. En plus, je peux carrément garer mon hélico juste au-dessus, tu vois, ça qui c'est pas mal. Par contre, le jacuzzi. Il est en réparation, les gars, donc vous inquiétez pas. On a juste ici
Eh bien, forcément, le petit... Alors, je sais pas si c'est lié ou pas, le petit H, là. Allez, c'est parti, les gars. Voyons voir ce qu'on a en haut. Alors, bon, déjà, forcément, le petit bar, t'as vu, tu connais. Bah, je veux dire, un yacht, c'est un yacht, toi. Tu peux te permettre d'avoir un bar. On a aussi, bah, le... Ouais, c'est pas mal, ici, le petit salon pour se poser au calme, si t'as envie de te poser. T'es bien, quoi. T'es en esprit. Ici, on a quoi? On a rien. Non, non, ah, si, 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 si. Ouais, je vois, on a quoi, ici, je me rappelle. Le petit piano, oh, oh, oh. Magnifique les gars, incroyable. Et en haut, alors moi j'ai ma petite piste H, voilà, tout simplement. Et vous savez quoi, je vais commander mon sculpteur, je vais le mettre juste ici. Et voilà les gars, j'ai garé mon petit Teddyco tranquillement sur le yacht. Incroyable, incroyable, vraiment. Voilà, moi personnellement, si GTA 5 c'est gratuit, voilà tout ce que j'achète. Genre j'achète hélico de luxe, le yacht, tout ce que... Après si j'oublie des trucs dans les commentaires, vous me dites « Ouais, lui, t'aurais pu acheter ça, t'aurais pu acheter ça. » On fera peut-être un épisode 2 les gars, y'a pas de soucis, on peut en faire un. En tout cas, oh, j'ai failli avec des gommes. On va se barrer, on va laisser notre petit yacht. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Unim pour vous servir. Pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve ce soir à 21h pour un live. Sur ce, ciao tout le monde.